Voici des iPhone 6 reconditionnés qui sont vraiment pas chers et en excellent état. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux iPhone 6 qui sont reconditionnés que j'ai pu me procurer eh bien, sur le site Innotech. Pour celles et ceux qui se rappellent, Innotech m'avait aussi envoyé une petite enceinte qui marchait hyper bien pour pas très cher. Donc voilà, donc ils m'ont déjà envoyé auparavant des produits comme le casque fil que j'utilise toujours actuellement. Et pour l'instant, en tout cas, je suis très content eh bien, au niveau de la qualité des produits. Le lien de leur site internet est dans la description. Et s'il y a beaucoup de retours sur cette vidéo, il est possible de gagner un des deux iPhone. Donc 6, 16 gigabits. Ils sont en excellent état, on va voir juste après. Il suffit donc de suivre les réseaux sociaux donc de Innotech et de me suivre aussi sur mon compte Instagram. Il faut savoir que ce sont des pièces uniquement d'origine d'Apple, donc ce qui est relativement assez rare dans le monde du reconditionné. D'ailleurs, j'étais assez content puisque nous avons un joli packaging ainsi qu'un chargeur et une paire d'écouteurs neuves. Au niveau du coffret, c'est vraiment cool, moi j'aime beaucoup. En plus, c'est vrai que la couleur bleue et tout, c'est assez sympa. On retrouve donc bien entendu à l'intérieur le smartphone qui est sous protection et aussi donc comme je l'ai dit le chargeur ainsi qu'une paire d'écouteurs neuves. Et ça c'est vraiment bien, surtout le chargeur, le câble Lightning qui est en très très bon état. Après au niveau de la paire d'écouteurs, ce ne sont pas des origines, mais par contre le son est très bon. Au niveau du micro, parce que j'ai pu tester quand même un petit moment, ça marche relativement bien. Après pour faire des appels professionnels, c'est peut-être pas le meilleur micro en tout cas sur on va dire depuis un des écouteurs, mais en tout cas ça reste des accessoires et franchement ça c'est super cool parce que souvent soit c'est pas fourni, soit eh bien carrément ils vont mettre des trucs d'occasion, alors que là c'est vraiment neuf et ça c'est cool, sachant bah, forcément qu'on a l'iPhone qui est en excellent état. Donc il y a plusieurs niveaux, donc ici j'ai le niveau le plus élevé en termes de qualité du smartphone. Pour moi honnêtement quand j'ai ouvert tout ça, j'avais l'impression d'avoir un smartphone que neuf quoi, tout simplement, que je viens d'acheter limite à l'Apple Store. Donc même pas de micro rayures, enfin en tout cas j'en ai pas vu. Au niveau du dos, ouais, pas de micro rayures, tout est très très propre. Forcément le téléphone est réinitialisé, donc il va falloir après le configurer rapidement. Et puis voilà, on se retrouve donc après avec l'iPhone 6, je pense que vous connaissez tous. Alors moi souvent on me pose la question, ouais mais Christo, j'aimerais bien connaître, enfin à ton avis je devrais acheter quel smartphone et tout, etc, etc. Et moi je recommande rarement d'acheter les derniers smartphones, même si certes ce sont les dernières caractéristiques, il y a plein de trucs super bien. Moi je recommande fortement aux gens, parce que moi actuellement j'ai un iPhone 6S et ça me suffit en tout cas amplement pour mon utilisation qui est d'ouvrir des applications. Je ne joue pas à des jeux sur mon smartphone, je préfère jouer à des jeux par exemple depuis la console, ce que je trouve beaucoup plus pratique. Mais voilà, en tout cas pour une, on va dire pour une utilisation comme la mienne, moi un iPhone 6S ça me convient parfaitement. Donc ça, je tenais vraiment à vous préciser que pour moi, vraiment, dans les bonnes affaires, ce sont les iPhone 6 et les iPhone 6S, pourquoi pas. Et si tu l'achètes en plus de ça en reconditionné, bah ça sera encore moins cher. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Et donc, bien entendu, j'ai tout testé. J'ai testé l'appareil photo, j'ai testé un petit peu au niveau eh bien de l'écran tactile, aucun problème, ça lag pas, enfin bref, donc c'est plutôt propre. Et surtout, le plus important, c'est la batterie. Quand on achète un produit en reconditionné ou même d'occasion sur le bon coin, peu importe, ça faut faire très attention, c'est la batterie, ça s'use très rapidement. Par exemple moi mon iPhone 6S avec l'utilisation que j'ai actuellement tous les jours, il va falloir que je le charge au moins 2 à 3 fois par jour, ce qui est juste énorme. Et que là en fait j'ai testé les deux iPhones, nickel, moi j'ai l'impression d'avoir une batterie en tout cas qui est neuve à l'intérieur, parce que moi ça me prend là à peu près une bonne petite journée, voilà, pour utiliser on va dire toute la batterie, sachant que j'utilise le mode économie d'énergie, comme ça au moins c'est plus pratique. Donc vraiment c'est, je dirais, un bon point, surtout la batterie qui est quelque chose on va dire de très fragile sur tous les smartphones et même sur beaucoup d'appareils électroniques. Au niveau des points positifs, forcément, c'est qu'il y a une garantie, mais pas de 6 mois ou de 3 mois qu'on peut retrouver sur d'autres sites reconditionnés. Ici, c'est 12 mois, 1 an. Il y a 1 an de garantie. Comme si tu achètes dans une boutique et tout, dans la rue et tout, avec 1 an de garantie. Donc, c'est vraiment, par contre, ça, un très bon point. Une livraison de 3 jours. Pas grand chose à dire. Petite information en plus, c'est que si vous achetez un smartphone reconditionné sur ce site-là, vous avez donc moins 50% sur tous les accessoires du site internet. Voilà, donc ça c'est vraiment
une bonne offre. En tout cas, moi je suis vraiment content de pouvoir vous représenter InnoTech avec ces deux smartphones là, sachant que je risque d'en faire gagner un. Donc n'hésitez pas aussi, le petit like et tout, ça fait toujours plaisir. Pour moi, vraiment, iPhone 6, iPhone 6S, ce sont des très bons smartphones et on peut faire plein de choses avec. Et maintenant, ça coûte de moins en moins cher. On se retrouve donc sur le site internet, donc InnoTech, où on peut voir donc le prix de ces iPhone 6, donc 199 € pour un 16 gigabits. Bien entendu, on peut choisir et sélectionner sa couleur. Nous avons deux grades, donc le grade premium, c'est ce que je vous ai présenté aujourd'hui, donc c'est vraiment, il n'y a pas de micro rayure, en excellent état, comme si c'était neuf. Et nous avons aussi la qualité, donc Eco Quality, qui est juste en dessous, avec des micro rayures, ce genre de choses, mais c'est vraiment tout petit et ça se voit pas réellement. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans la barre des commentaires. Si vous aimez ce genre de, on va dire un petit peu de concept où je vous montre des bons plans qu'on retrouve actuellement sur internet. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.